Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouveau format pour vous faire découvrir une autre de mes grandes passions, la bière. À l'occasion du dernier Festibière Clermont, j'ai rencontré Anthony de chez Azimut, qui est une brasserie artisanale et craft installée sur Bordeaux. C'est une brasserie qui bosse par passion pour nous sortir des bières simples, originales, accessibles et surprenantes. Je les cite. Je lui ai donc proposé, lors de ce festival, de présenter certaines de ses bières sur la chaîne. Ce qui nous amène au concept du jour, nouveau format, le Beer and Vape. Explication. Étape 1. Je sélectionne une bière originale, d'une brasserie. Microbrasserie, brasserie. Étape 2. Je me démerde pour trouver un liquide qui colle au mieux, niveau association de saveurs, mais aussi au niveau de l'idée de la création du produit. Vous allez comprendre avec la review d'aujourd'hui. Et ça peut prendre un moment. Ce qui explique le petit retard sur cette review. Donc la bière qu'on va goûter aujourd'hui, c'est la Sour Ale Ananas et Gingembre de chez Azimut. Juste ici. On va commencer par se l'ouvrir. D'où me vient cette idée ? Le petit vapoteur, qui a eu la très bonne idée d'intégrer dans ses colis, en goodies, cadeaux, des décapsuleurs. Donc, c'est aussi une review vape. Voilà la bête. On va commencer par se la servir et après je vous parlerai du liquide qu'on va reviewer et qui est censé coller, je l'espère, à cette petite bière. Tac. Ouh. Bien mon style, ça. J'adore les sour. Je crois que ça va bien, ça. Donc, cette petite bière. Bah, Rob, on va essayer de se la faire comme un mec qui connaît un peu la bière avec toutes les petites étapes. Première étape pour déguster une bière, la robe. Légèrement opaque. Assez clair. Jaunâtre. J'ai pas dit qu'on était zytologue, loin de là. Mais je me dis que ça peut apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur sur la chaîne. Normalement, il y a le nez avant. Donc au niveau du nez, bon, on sent bien l'acidité. Pas d'amertume. On a bien le gingembre. Le gingembre est très présent et j'adore le gingembre. Donc c'est tout bonheur. Alors est-ce qu'on commence par décrire la bière ou est-ce que je vous présente le liquide qui va avec ? Je vais vous présenter le liquide. Donc ce que j'ai trouvé pour coller à cette bière, c'est le Sucker Punch de la gamme Arômé Liquide Shaker. C'est un liquide qui est sorti cet été. D'une gamme Arômé Liquide Shaker composée de 3 liquides, si je dis pas de conneries. Et c'est vraiment mon liquide de l'été, mon concentré de l'été. Je vous parlerai un petit peu plus tard de la gamme Arômé Liquide, que je connais depuis un moment, et qui vaut quand même sacrément des points. Je vous en ai déjà parlé dans les reviews. Donc, description de la bière. Cet arôme, voilà, l'Arômé Liquide Shaker, je l'ai monté là-dedans. Et c'est ce qui est monté sur la X217 et le Gear. Donc pour vous parler un petit peu de cette Sour Ale ananas et gingembre, on part sur des morceaux d'ananas, du gingembre et du sucre brun, dans l'esprit rhum arrangé. Et ce côté rhum arrangé, invitation au voyage, a son importance. C'est une bière assez légère, 4,5% d'alcool par volume. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de notre base de connaissances en bière qui est quand même très infime? C'est le tout début. Je me dis que ça coûte rien de prendre des risques et de se lancer dans... On a renommé la chaîne Q Liquid Review, pas pour rien. C'était prévu déjà de longue date. Donc une bière légère, on a dit 4,5%, légèrement opaque. Elle est très fruitée et désaltérante. C'est vraiment une bière de soif. Pour l'été, c'est vraiment le top du top. Le gingembre est très présent. Donc faut aimer le gingembre, ça masque un poil l'ananas.
mais ça reste à mon sens une bière originale, une bière d'exception. Passons maintenant au liquide, le Sucker Punch. Donc ce liquide, je l'ai découvert il y a quelques semaines en visitant la boutique Arômes Liquides de Lande, qui a ouvert il y a pas très longtemps, et où j'ai un copain qui travaille, Quentin aussi. On fait un coucou à Quentin, son collègue et son supérieur hiérarchique. Donc ce liquide, le Sucker Punch, il a été créé, tout comme la Sour Ale, l'ananas et gingembre, dans une idée d'invitation au voyage. On est sur une base d'ananas, de banane et d'orange, avec bien évidemment la touche fraîche, arômée liquide. Le coolada pour relever le tout. Donc ce liquide, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'est proposé au format 10 ml en concentré ou 30 ml. C'est des super concentrés dans le sens où ils sont dosables entre eux. Et il me semble même que l'ensemble de leur gamme est dosable entre 5 et 10%. Donc ce qui en fait des liquides très économiques. Et j'ai sélectionné ce liquide pour une raison simple. La grosse base d'ananas pour coller avec la petite bière que nous goûtons aujourd'hui. C'est un liquide qui a aussi créé dans cette optique de rhum arrangé. Je pense que pour un premier épisode, le coolada fait office de petite touche épicée, plus ou moins, même si c'est bon, pas un épice à proprement parler, mais ça relève quand même énormément de liquide, là où on serait resté sur un liquide très fade avec juste cette association de saveurs. On distingue bien la banane, l'orange est un peu plus fade. Mais je l'ai appris à mes dépens en allant voir Nicole à Lyon cet été. L'orange, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à travailler. On pourrait se dire qu'un bon mélange d'agrumes, ça se sort en claquant des doigts. C'est pas vraiment le cas. Merci encore à Anthony et à Azimut de m'avoir fait confiance pour cette review. On va essayer de s'en faire une deuxième. Il me reste deux bières de cette brasserie à vous faire découvrir. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous rappeler que l'alcool est bien évidemment à consommer avec modération. À la prochaine!